Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui c'est reparti sur un épisode sur Diablo 2. Et donc nous allons continuer notre paladin. Aujourd'hui du coup, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fini l'acte 2. Comme il se doit, hein. On a massacré Duriel, puis là on va continuer l'acte 3. Alors j'ai un peu réorganisé mon coffre et je vais regagner, et je vais... Ah, de toute façon je peux pas les prendre, je prendrai après des items que j'ai droppé avec mon ensorceleuse, hein, ce qui va augmenter en gros plus rapidement ma progression, ah bah tiens, je pourrais en prendre, ma progression du coup en tout simplement normal quoi. Là, 30 attaques speed, toujours agréable quoi. Hop, hop. Et voilà. Ah ouais, je commence à avoir pas mal de vitesse d'attaque. Hein. Allez. D'ailleurs, il est niveau combien? 15! Putain, il est toujours pas mort. Il n'y en a que 3, marrant. Je pensais qu'il y en avait plus d'habitude. Comme quoi. Hein. Hop, là y a rien. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Donc, parfait. Ah oui, c'est vrai, maintenant on a la vol de vie, vol de mana aussi. Oh, ça c'est beaucoup trop bien. Oh! Tu l'as dit. Oh, j'en risque combien au feu? Ah oui, 45, pour ça j'ai pas pris cher. Ah oui, j'ai quand même pas beaucoup de vol de mana encore. Ouais, ça viendra. J'ai 7% de vol de mana, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est pas encore ouf, mais bon. Oh! Nul. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Hop. Ah non, si. Si, c'est ça. Caverne de l'araignée. L'œil de Kalim. Du coup, comme d'hab, on ramasse les reliques de Kalim et après on va se faire Mephisto. Ou alors c'est lui qui va nous faire. Ok. C'est là qu'on est content d'avoir un partenaire qui régène la vie, parce que bah voilà, hein, c'était sûr, au bout d'un moment je me serais fait empoisonner. Alors le laquais. Oh putain, il est de l'autre côté. Shit. Enfin le laquais. Surtout l'œil de Kalim est de l'autre côté. J'ai de faire le tour. Ok, ouais. Parfait. Oh là 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 là, alors là je fais beaucoup trop mal au laquais. Ça va très mal se passer pour lui. Hop, on augmente toujours. Oh, cette régène de vie. On a déjà niveau. Niveau 19 quoi. Putain, c'est fou. Alors. Parfait. Bonne chose de faite. Hein. Il dure longtemps ce poison, je me régène. Oh. T'as du sang, 200. Ouais. Quand même. Alors, il n'y avait pas de passage. Ouais, bon, on est bloqué. J'augmente tout. Oh, j'ai 70 forces. Trop drôle. Alors, je sais pas par quel moyen, mais bah voilà. Hein. Ça, hop. Je mets les bottes, c'est pour ça augmente mes chances d'obtenir des objets magiques si je me trompe pas. Oh, 50 pour attaque rating aussi. Qu'est-ce que ça fait ici? Ouf, rien a priori. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ce set quand même. Oh merde, que fait ma souris? Bon, maintenant, faudra juste faire un peu l'autre, hein, parce que c'est pas ouf ce qu'il a. Hein. Hop, le petit diamant qui fait plaisir. Je suis trop chargé, ah oui, j'aurais dû vendre tout ça. Oh! Mais si! Alors du coup, on va prendre le nom. On va espérer que c'est pire. Oh, dommage. C'est un type de 2 pour faire un beau mot runique, mais...
Dommage que ce soit nul ce qui est à côté. Bon bah. Ah, je me suis dit peut-être que je vais finir à la fois l'araignée, mais là, pas l'impression. On espère toujours, hein, qu'il y a juste à côté la jambe de l'écorcheur, mais bon. C'est dommage qu'on peut pas mettre la musique un peu plus fort par rapport au son du jeu. Oh, bien ça. En vrai, on roule sur les ennemis, on va un peu avancer. Hein. Pas qu'on s'ennuie, mais là, bombe. Ah, j'ai one shot pas cela. Ah, de temps en temps, quoi. Oh, mes dégâts. Mais oui, c'est vrai que ça. J'ai quand même. Entre mon max et mon min, j'ai quand même 60 dégâts. Hein. Différence. Oh! Sérieux? Oh la chance! La jungle de l'écorcheur direct. Bon bah, hop! Ouh, je sens que l'acte 3, on va aller vite. Hein. Ah, ça, ça fait plaisir. La jungle de l'écorcheur direct sans passer par le grand marais. Ah bah, en plus, c'est le Ghibline. Ah non. Est-ce que ce serait le portail? Ah non. Oh, bien ça. Dommage, dommage, dommage. Oh une merde. Bon non, je vais pas la prendre. Ouais non. Oh putain, il l'a fait 30. Mais tu as un chaman tout seul. Rien d'intéressant ici. Hein. Enfin, j'ai cru que j'allais y passer quand même le double chaman là. J'ai pas peur. Ouais, il faut pas que je passe à un endroit où potentiellement on va avoir le cerveau ou le cœur, on ne tient plus de Kalim. Non, bah parfait, je crois que j'ai traversé. Ah bah non, il fallait pas que je traverse. C'est de l'autre côté. Tant pis. Ça m'apprendra. Hein. Oula! Oh non! Attends, comment ça se fait qu'il est mort? Ah, il y avait deux laquais! Bon bah. Oh non! Il m'était si précieux! Non, oui, ça va. Bon bah. Tant pis, hein. Oh, oh, bien ça. Le Ghibline. Ah, va falloir que je fasse de la place. Comme ça, voilà, parfait. Ah bah, très rapide. Hein. This blade shall pierce the heart of evil. Et voilà. Donc on reviendra tout à l'heure. Hein. Ça évite de parcourir deux fois la grotte. Hein. Eh hey, j'ai même pas besoin de les tuer, je vais les laisser me poursuivre. Hein. Ouais quand même j'en fais pas ultra mal comme ça. Alors du coup j'ai un truc qui vaut cher ici. Voilà. Ensuite je vais prendre ce truc. Ils me font du 0. Ah s'ils me font du 1, bah ben, dis donc. Ça va être long pour eux. Hein. Alors, il me fait bien plus que du genre.
Ah, moi, le régime de la vie. C'est le problème de ces ennemis pour le moment, c'est qu'en fait, on régène de la vie, c'est en fonction de nos dégâts, mais c'est aussi en fonction de la vie de l'adversaire. Si on fait 100 dégâts, qu'on a 10% de vol de vie, mais que l'ennemi a que 10 vies, ben on régénère que ben une vie, quoi, au lieu de 10. Quoi. C'est le problème. Et du coup, je régénère pas encore beaucoup de vie. Quoi. Hop, je vais peut-être prendre une potion quand même, ou un jour. Oh, parfait. À la potion que je viens d'utiliser. Non, j'ai cru qu'il va laquer, mais non. Bon, on avance, hein. Oh, faut faire gaffe. Là, je me suis fait encercler, j'étais pas crâne. Hein. J'ai eu peur pour moi. Hop, là, c'est un cul-de-sac comme dame. Hop, putain, on va déjà bientôt au level up. Hein. C'est le début, dans l'acte 3, on level pas, on level up quand même pas beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, je suis niveau 20. Il faudra un jour quand même que j'améliore de quoi pouvoir améliorer mon bouclier après. C'est quoi? Ouais, j'améliore ça, ouais. Oh! Marrant, tiens. Hop, l'amulette. Oh, merde. 2-4 ans, gratos, hein. Ah, mais ça va même être bien, puisque j'ai déjà l'anneau, ça va augmenter énormément mon attaque rating. Du coup, ça va me permettre de toucher les ennemis beaucoup plus facilement. Ah, ça, c'est cool. Ah, j'ai... Ouais, surtout pas mettre de portail, j'allais rentrer, mais là, il faut pas. Et voilà. Pas besoin de portail. Toujours faire attention aux îles, hein. C'est que quand on tape une fois avec les îles, ben on enchaîne 5 coups quitte à mourir. On ne peut pas les stopper. C'est pour négatif, quoi. Je sors. Oh, ok. Déportation. Tellement useless. Non, pourquoi ils ont encore un item 7. Bon, je prends pas parce que je crois que je l'ai déjà eu plein de fois. Non, pourquoi ils ont sorti, ils ont rajouté le truc téléportation aux ennemis, parce que c'est vrai que c'est pas, ça rajoute quand même pas grand chose de méchant, quoi. Alors du coup là il faudrait que je trouve un portail assez rapidement pour que j'aille chercher ensuite le truc qui est dans le jungle de l'écorcheur, parce que j'ai laissé un portail, c'est fait exprès, hein, c'est pour ça, quoi. Ouh là, je viens d'avoir de la défense. Oh, ils ont quand même une... Oh, ils ont quand même une grande chance de me toucher, hein. Les salauds. Oh merde, non, voilà. Voilà. Et voilà. Il était tout seul. Là, c'est marrant, ils sont tout seuls, t'as besoin, ils sont normalement en groupe. Mais c'est en groupe, mais de 1. Pas cool pour eux. Ouais, non. Oh! Ok, rien d'intéressant pour le moment. Là, je serais content quand même de rentrer au village, là. Hmm? Parce que je suis bien chargé. On va les tuer plus rapidement comme ça. Hein. Oh là, il y en a un paquet. Ah,
Parfait. Ouf. Ah bah tiens. Ah là là, l'IA. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce que j'ai jeté? Ah oui, plein de choses qui me servaient à rien. Parfait. Alors, oh là 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 là. Oh, ça le coup de l'identifier. Hein. Parfait, ça. Voilà, bah moi qui n'avais pas d'amulette. Hein. Oh, stylé. Oh là là. Ça n'a aucun sens. Ça augmente encore mes dégâts de feu. Bon, moi je vais pas me plaindre. Hein. Du coup, on était ici. Ah oui, ça il faut que je le vende. Oh là là. Catastrophe. Ça vaut rien ce truc. Un crâne, un crâne, encore un crâne. Parce que glauque de loin. Parfait. Ouf. Pas besoin. Allez. Direction le donjon. Je vais quand même mettre un portail au cas où, hein, parce que là je me sentirais con tout refaire à pied. Un petit laquais. Ah, du coup, j'ai pas vu l'aura qu'il y avait de l'autre. Oh, je suis déçu. Oh! On ne sait jamais. Si ça se trouve, un jour, j'opterai une tête la conserver. Assez stylé. Peut-être un jour. Je garde encore espoir. Ok. Du coup, on augmente toujours Zil. Qui augmente nos dégâts corps à corps. Hein. Petit à petit. Puis notre chance de toucher un ennemi. Du coup, là, on doit être pas mal. Hein. 79%. Oh, on a gagné un peu. Hein. Parfait. Avec un peu de chance, c'est juste ici. Parfait. Et nous sommes. En plus, j'ai le truc d'endurance. Juste ce qu'il me fallait. Parce que là, on va courir. Je sais pas pourquoi il y a de l'or partout ici. Je me suis dit peut-être qu'il allait trouver directement le truc. Le coffre, mais pas du tout. Pas là non plus. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait un labyrinthe dans le numéro 3. N'empêche, c'est stylé. Ah, ça doit être là. C'est ici. Ah non. C'était en bas. Peut-être pour ça qu'il y avait l'or du coup juste devant là. Ah là, il n'y a plus le choix. Oh putain, merde, je dois encore faire le tour. Ça n'en finit jamais. Ah là, si on n'a pas la carte, pouf. Ça peut pas être drôle. Voilà. Mais j'ai one shoté pas les ennemis comme ça, là, les bourreaux. Parfait, l'œil de Kalim. On m'a donné deux têtes conservées. Hop. Ah, juste aller à l'acte 1. Préparer mon marteau. En même temps, j'en profitais. Hop, d'écarquer. Dis-moi qu'il y a au moins une tête qui est bien. Alors, nul. 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 Bon, bah. Avec un peu de chance, mais je vais pas vendre ici. Ça vaut plus cher l'acte 3. Alors, mouche, ça vaut quoi ça? 6000, 4000, 15000. Ouais, ça va. 60000. Je double mon crédit, hop. Ah oui, d'ailleurs, ça, je pourrais le vendre du coup. Hein. Après, je vais rien en faire. Hein.
Et hop. Du coup, on retourne à Kouras, la ville basse. Ah non, Kouras, juste. Et nous, on va faire le temple en ruine. Alors, avec un peu de chance, c'est ce qu'il y a ici. Rien à foutre, j'ai endurance illimitée. C'est pas ici. Alors, du coup. Avant de faire les égouts, du coup, je vais quand même aller chercher le bouquin, là. Parce que sinon, c'est coup pas sûr que je revienne ici, après. Trois. Ah non, j'ai plus trop d'endurance. J'allais dire tant mieux que je l'ai, mais en fait, bah du coup, ouais. Rip. Hein. Est-ce que c'est ici? Non, ok. Bon. Bon. Ah, il m'enlève pas trop d'endurance encore. Ouais, le puits qui fait plaisir. Ah, c'est ici. Hop. Parfait. Ah bah dis donc, elle a que charmant. Les bêtes de chair, bon. Ah, chasseur de chair, bizarre. Ouh, bah c'est un double laqué. Par contre, c'est vrai que on m'avait... Mais il conseille un mot runique du coup dans la dernière vidéo avec mon avec mon paladin. Un mot runique pour augmenter mes résistances. Alors là je commence à me dire que oui, ce serait clairement une bonne chose que je prenne ce mot runique, parce que là j'ai pris cher quand même. Hein. Je crois que j'ai entendu un crâne. Non. Et ok. Parfait. Parce que là, les résistances. Ouais, foudre 7, hein, c'est pour ça que je prends cher. Comme Mephisto, faudra que je fasse gaffe. Faudra que je prenne des items qui me donnent la résistance foudre. Alors, du coup, les égouts. Ah oui, c'est là-bas. Parfait. Hop, on a qu'à aller par là. Oh mon endurance, très fort, et bah donc, je sais pas. On n'a pas la même définition de très fort. Hein. Par contre, elle me fout mal. Ok. Oh, c'est pas ici. Shit. Touche mon endurance. Oh non, pas les poupées. Ah, elles me font pas très mal quoi le mur. Ah non, putain vache. Ça doit dépendre de. Enfin, je sais pas quel. Ça donne des dégâts physiques. Non, c'est pas ça que je veux, c'est l'endurance. Tant pis. Oups, ce n'est pas ici. Bien essayé, mais non. Oula, c'est peut-être ici. Je fais des bêtises. Bon, on va dire que c'est pas ici. Nous aurons essayé. Bon, là, je crois que je l'ai buté. Hein. Oh, le petit coffre qui fait plaisir.
Ouais, du coup, je fais pas ultra plaisir. Potion de vie, potion de vie, une petite potion de vie, hein, génial. Et non, toujours pas. Bon, bah, il aurait essayé. Hein. Qui me suit meurt. Hein. Oups, ouais, c'est à moi. Oh non, mon endurance. Salaud, je vais t'humilier. Oh, c'est pas ouf ça. Ah, nous y voilà. Bof. Pas ouf, hein. Alors du coup j'ai dit qu'il fallait que j'améliore. Bon, alors ça, est-ce que c'est bien quand même? Défense bonus, ouais, j'ai pas le choix. Hein. Au pire, de toute façon, je me restaterai. Oui, je me restaterai. Donc allez hop, pour le moment, on prend. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais améliorer. Oh là 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 là. Bon, bah. Bon, je pense pas que ça changera grand chose. Hein. Oula. Oh, je regagne de la vie sur elle quand je tape. Marrant. C'est des morts vivants, mais quand même pas trop. Alors, du coup, là. Ok, je vais aller là. Comme ça, je devrais passer directement à Kouras, la ville haute. Ça m'évite de retraverser la ville pour rien. Kouras, pour rien. Voilà, parfait. Oh non, il meurt pas avec mon poison, c'est pas drôle. Quand même. Gardien du temps. Et ben dis donc. Je vais juste regarder quelque chose. Ah zut! Pardon? Toujours prendre le portail. Hein. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça pourrait très mal se passer. Ouais, il y en a un qui en a marre de la vie. Loupé! Par contre, moi, fou. Oh! Ouais, non, la flemme. Parfait, on a fait le pénible hein, qui slow. Hein. Parfait, ça. Hop, vous savez quoi? On va les tuer avec leur propre arme. C'est parti. Oh, c'est pas mal, ça tape super vite. Oh, c'est vraiment pas mal. Go rester avec cette arme. Oh la vache. Je suis presque déçu de voir m'en débarrasser. Ouais, c'est comme ça. C'est parti pour la prison, la haine. Bon, ça doit être assez rapide, je pense. Hein. Il aurait essayé. Oh, aussi, ça, je vais peut-être prendre. Ouais, parfait. Tout ça pour une popo, hein, triste. Ça, j'aimerais bien avoir charge. Non, je l'ai pas. C'est ici, charge. Ouais.
Ah bah non, je ne l'ai pas. Oula. Ah, je me disais qu'elle était le dernier ennemi. Oh la vache. Oh l'armée. D'accord, non. Parfait. Oh, mais regardez ce que c'est. Ah bah ça, j'imagine que tu peux pas prendre. Oh. J'allais dire, je peux le donner à mon mercenaire, mais du coup, bon, bah. J'aurais du mal à lui donner. Hein. Parfait. Le petit portatif fait plaisir. Parce que... Je suis niveau combien d'ailleurs? Niveau 21. Oh, ça va. Oh, bah, tiens, parfait à la quête. C'est marrant, à chaque fois que. Ah, oh, Moni, c'est pas cool ça. Surtout qu'on les poupées qui font deux fois du foot, deux fois plus mal, puisque ce sont des dégâts physiques. Je pense que c'est ceux qui prennent des dégâts foudre à chaque fois qu'ils me touchent. Je vais regarder quand même. Alors, ok. Ah, c'est ça, ok. Oui, ils prennent 5 dégâts foudre à chaque fois qu'on me touche. Ok. Ah, il faut être niveau combien pour la mettre? 11, ok. Au départ, c'est pas mal, hein. Au départ, niveau. Bon, ça doit déjà être useless dès le niveau 11, hein, mais bon. Marrant quand même. 6, 10. C'est comme les personnes qui font aussi des runs sans toucher les ennemis. Hein. Faut savoir que ça existe. Du coup, typiquement, vous pouvez jouer paladin ou en sorceleuse, du coup. Enfin, ou vous pouvez jouer tous les types de personnages, mais ce sont les mieux. Parce que paladin, par exemple, vous avez les auras. Vous faites rien, du coup. Par exemple, l'aura épine, l'aura, bah, c'est aura. Ou l'ensorceleuse, pareil, vous avez les armures de gel, quoi. Du coup, bon, ça, c'est que des dégâts froids, mais du coup, vous faites des dégâts aux ennemis sans les toucher, sans devoir les taper, sans les tuer. Enfin, c'est une run pacifique, quoi. Vous ne faites rien. Vous vous défendez juste. Bah, il y en a qui font des runs comme ça. Hein. Drôle. Peut-être un jour, j'en ferai une. Pour le fun. Et du coup, en fait, ce qu'ils font au départ au niveau 1, mais ils vont fouiller partout, ils vont choper des sous pour pouvoir alors, s'acheter une armure qui permet une armure style un truc qui permet du coup qui renvoie un dégât à l'ennemi quand vous êtes touché. Du coup, ils commencent à la farmer comme ça. En se faisant taper. No way. Bon, parfait. On va sortir à niveau 22 finalement. Hop, alors. On clear toujours cet endroit. Il faut qu'on a clear cet endroit. On y va pour celui-ci. Ouh, ça va pas être cool, ça va pas être cool. Oh non, pas l'aura comme ça. Déjà, si je peux en buter un comme ça. Il n'y en a que deux! Oh! Oh, faut que j'en profite de ce truc pour défoncer Mephisto. Donc il n'avait pas de résistance foudre. Ouais, tant pis, barre. Parfait. Parfait. On se dépêche, on ne traîne pas. Mettre cher quand même.
C'est parti pour Mephisto avec la résistance foudre. C'est très jeune de vue. Regardez ça. Moi je vais quand même prendre des potions de temps en temps. Hein. Il n'a pas le droit de jouer froid. Qui joue bizarrement Mephisto, je sais pas, enfin, il me lancerait des sorts là en pleine tronche, ça se passerait tellement mal. Il met que du poison autour de lui, bon bah tant pis pour lui hein. Bienvenue au club. Ah non. Ouf, bah heureusement qu'on a eu cette petite aura, peut-être c'est en se foutre. Hein. The Lord of Hatred shall darken the world no longer. Et bah c'est parti pour du coup bah vite fait bien fait hein, l'acte 4. Et le portail. Donc je passe hein, à la cinématique. Oui, je détruis le dernier vaisseau. Oui, je fais un visuel. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh non. Un 10, sérieux. Ouh, j'ai oublié de faire des trucs l'acte. D'ailleurs, un 10, faut niveau combien? 3, hop, on jette. On jette. Oh, pas mal. C'est pas mal. Coup mortel. Hein. Le coup mortel, c'est toujours bien. Ah, du coup, j'ai oublié de faire quelques petits trucs. Je vais quand même aller voir mieux. Je suis jamais rentré à l'acte 3, quasiment. Aïe, 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 je l'ai fait d'une traite. Ah, mais lui, je l'ai même... je l'avais jamais parlé. J'ai tué ma fille sans lui avoir causé dans le village. Triste pour lui, là. Ok, bon, bah, tout ça pour ça. Hein. Oula, la nuit qui est arrivée d'un coup, là. Parfait. Mais ça, on garde. Hein. Hop. Et du coup, ok. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il me dit du coup que il faut pas que j'oublie que je suis ici pour détruire mes stores, mais c'est déjà fait. Alors lui il est un petit peu à la bourre. Hein. Bon il est quand même là. Hein. Enfin, des petits bugs comme ça qui font toujours rigoler. Hein. Hop, oui, oui. Il est quel? Hop, ok. Ouf! Et ben, c'est fini pour cet épisode, toujours sur mon paladin. J'espère que vous aurez bien aimé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, quoi que ce soit. Tout simplement. Hein. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, hein, en haut à gauche, ou sur la prochaine vidéo, du coup, qui est en haut à droite, quoi. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!